Bonjour, bienvenue dans cette capsule intemporelle numéro 21. Alors, nous avons plusieurs cartes que j'ai déposées. J'en ai enlevé une, en fait, pour aujourd'hui. Voilà, c'était comme ça. Donc, on a la papesse, la carte 32, illusion. Ensuite, les trois cartes astrologiques, la maison 7, le signe du Sagittaire et puis le lion. Enfin, le lion, le soleil, pardon. Ensuite, on a la carte de la conjurée qui est à l'envers, la carte du futur, la carte de l'angelot qui est à l'envers, et ensuite la carte de la menthe. Et puis, la dernière carte qui est ici, c'est la carte conseil qu'on retournera ensemble à la fin. Alors, je rappelle juste au début, en fait, quelquefois je le fais à la fin, là je vais le faire au début, que en fait ce tirage est intemporel, donc il dit très bien ce qui est, ce qui fait que vous arrivez donc sur ce tirage n'importe quand. Ça correspond tout simplement à un message qui est dans ce tirage, qui est pour vous. Voilà, il n'y a pas de date, même si c'est dans 6 mois. Après ce tirage, eh bien, il y a quelque chose pour vous. Voilà. Donc, on a avec la papesse, la carte de l'illusion et puis les cartes suivantes, je pense, une situation. Je pense une situation, en fait, de couple, en tout cas relationnelle, hein, pas forcément en couple, mais en relation avec quelqu'un d'autre. Même si ce n'est pas un couple qui est formé depuis longtemps, c'est ça que je veux surtout préciser. Et donc, je pense que cette relation en question, d'ailleurs, je pense qu'il y en a plusieurs, en fait. Alors, ce soit monsieur ou madame qui a des relations... je pense que ce ne sont pas des relations suivies. C'est une personne qui a des relations plutôt des conquêtes, des rencontres assez souvent, voilà, qui changent. Et puis, il n'empêche que ces relations sont tout de même sereines, se passent bien. Il y a en fait vis-à-vis de... Donc, que ce soit vous ou monsieur ou madame, donc je ne sais pas qui regarde la vidéo ensuite. En tout cas, la personne qui vient voir donc cette vidéo, je pense qu'elle traverse donc une période de transformation par ce type de relation qu'elle semble avoir besoin. Et c'est pour se trouver, alors je pense que c'est pour se trouver elle-même déjà, pour développer quelque chose qui est de l'ordre de la confiance en soi, d'une prise de conscience qui est en train d'évoluer, d'émerger, très 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 doucement,
Et donc, ça passe par par un besoin, je pense, de contacts multiples. Et donc, ces contacts multiples passent par des rencontres, des conquêtes, pour rechercher plus de confiance en soi. Et donc ici, on voit que il y a en fait, enfin, pas seulement ici, d'ailleurs, sur les autres cartes aussi, hein, qu'il y a là, ici, et même celle du haut, on voit qu'il n'y a pas de recherche d'engagement sentimental pour quelque chose de durable. C'est uniquement pour l'aspect physique, pour la séduction, et c'est ce que je disais juste avant, je pense que c'est pour rechercher plus de confiance en soi, pour s'affirmer, pour se donner plus d'aplomb. C'est comme si c'était un exercice en fait. Donc ça passe par ce côté charnel, ce côté physique, ce côté qui, je pense, est rassurant. C'est comme si aussi c'était pour se sentir vivant. Parce qu'il y a la traversée d'une période de flou qui est importante, d'une nouvelle prise de conscience qui est en train d'émerger au niveau spirituel et au niveau donc émotionnel aussi. Et peut-être aussi qu'il y a eu au départ de cet aspect émotionnel une perte importante de quelqu'un, un détachement important qui a donné lieu à ce démarrage. Et donc là, maintenant, on est dans la période où il faut se retrouver, il faut se reconstruire. Et c'est la période intermédiaire en ce moment qui est traversée de cette manière-là. Alors, sur l'aspect du futur, avec cette carte-là, on dit qu'il faut en fait se concentrer sur ce futur. Il faut envisager l'avenir, chercher à construire des choses qui soient structurées, qui soient constructives, et que c'est très important et que ça donnera lieu, je pense, à des résultats beaucoup plus clairs, beaucoup plus visibles pour vous, à partir de cet automne. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça jusqu'à cet automne, mais en tout cas, le fruit de cet investissement, je veux dire, de cette implication quand même, de cette compréhension surtout de vous-même, aura une répercussion plus visible à partir de cet automne. Ensuite, sur l'issue en fait et l'évolution, il y a encore une période sur le fait d'avoir de nombreux contacts et peut-être, je pense, une compréhension au bout d'un certain temps, justement de ce que je disais par rapport à la compensation, par rapport à une perte. Là. Et sur la façon d'agir, on voit que c'est comme j'en parlais tout à l'heure,
avec l'aspect relationnel. Il n'y a pas d'engagement, il y a juste un aspect charnel qui est désiré, et même on est même dans le désir. Et je pense aussi que ça passe par une reconquête de la confiance en soi, comme je disais tout au début, pour se rassurer, pour dire je peux encore séduire, ou je suis encore séduisant, séduisante, je suis capable, j'en suis capable. Et donc l'aspect physique est très important. C'est comme si, c'est ce que je ressens, c'est comme si vous étiez en train de chercher des racines pour vous sentir vivant, pour sentir que vous êtes bien au sol, vous êtes bien ancré. En fait, c'est comme si vous étiez, parce qu'avec cette carte-là, la carte illusion, la carte de la papesse, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est spirituel, quelquefois on a l'impression qu'on n'est pas vraiment sur terre, je dirais, et qu'on a la tête un peu dans les nuages. Et donc, je pense que là, c'est une façon de se sentir raccroché à la terre de manière plus tangible, et parce que l'intangible est très important là dans le jeu. Et donc les ressentis sont vraiment très vaporeux, intangibles. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce que la carte conseil vous donne comme conseil, justement. Et c'est la carte dynastie de la mère divine. Je vous la montre. Et cette carte parle justement d'une sorte de perdition. Et je pense que cette perdition, c'est ce que je vous expliquais avec l'aspect intangible, l'aspect vaporeux, des ressentis qu'on a qui ne sont pas assez tangibles pour se sentir bien ancré, bien vivant, bien terrestre dans la matière. Et ici, cette carte vient vous dire que c'est une période de perdition, en fait, de sortie momentanée du chemin spirituel. Alors on vous dit qu'il ne faut pas, rassurez-vous, il faut pas avoir de crainte, il ne faut pas avoir de peur. C'est normal, tous ces ressentis. Et donc, il y a un manque d'attrait pour les choses ordinaires, pour les choses qui sont ordinaires, tout simplement, quotidiennes, voilà. Et donc, c'est normal. Donc, ça va revenir. Pour l'instant, vous êtes dans cette recherche pour vous ancrer, pour vous ancrer à la terre, pour vous ancrer à ce qui est physique, tout ce qui est matière, tout ce qui est tangible, pour vous sentir vivant. Et donc là, c'est une période intermédiaire. Voilà, très cher, pour ce tirage de cette capsule intemporelle numéro 21. Je vous souhaite la continuation et la compréhension surtout. C'est ça. Je vous souhaite la compréhension de ce que vous êtes en train de traverser. Et eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.